Annie et Christy sont complètement opposées. Elle, c'est Annie. Et elle a beaucoup d'argent. Bien qu'elle n'ait pas d'amis du tout. La richesse, ça garantit pas la popularité. Et elle, c'est Christy. Elle est vraiment fauchée. Mais ça l'empêche pas d'être l'élève la plus populaire de la fac. Qu'est-ce qui va gagner? La popularité ou bien la richesse? Bougez plus! Le coach Martin sait comment faire en sorte que les ennemis s'entendent bien. Suffit de les mettre dans la même pièce. Vous allez vivre ici maintenant. Quoi? Mais c'est abusé! Mais tout ce que veut le coach, il l'obtient. Annie et Christy vont être colocs. Pousse-toi! Moi d'abord! Le coach aurait pas pu trouver une meilleure chambre? Il y a une femme de ménage ici? Je peux pas vivre dans ces conditions! On va devoir redécorer cette pièce. C'est parti! Annie et Christy ont chacune leur goût. Hé, ça rend plutôt pas mal! Et le mieux dans tout ça, c'est qu'elles ont chacune leur propre territoire. Retourne de ton côté, tu sens la pauvreté. Laisse tomber, Annie. C'est pas toi qui vas gâcher mon humeur. Oh là là, ça va être un sacré défi. S'entraîner, c'est vraiment épuisant. Mais les pom-pom girls doivent toujours rester en forme. Oh, Christy, t'es encore là? Le coach veut te voir. Merci, Annie. Je serai pas longue. Vas-y! T'aimes bien le sucre, non? Annie va lui faire une blague avec du miel. Les pauvres pom-pom girls n'ont rien à faire ici. Christy devrait être virée de l'équipe. On n'a jamais trop de miel. Maintenant, on se cache. Voyons si t'arrives à te battre contre les abeilles, chérie. Bizarre, le coach l'avait pas appelé. Ça devait encore être l'imagination d'Annie. Bon bah, tant pis. L'essentiel, c'est de se concentrer sur la choré. Oh, c'est quoi ce bourdonnement? Pourquoi il y a des abeilles ici? Au secours! Mais non, elles la poursuivent! Ouh, une nouvelle choré? Ça, c'est mon élève. Me touchez pas, je suis pas en sucre. Waouh, très impressionnant! Que quelqu'un fasse sortir ces insectes d'ici! Ah, je crois qu'elles sont parties. Super danse, bravo Christy! Waouh, alors ça, c'est inattendu. L'entraînement va commencer, soldats. Bon, c'est pas assez bien. On doit être les meilleurs. Christy se lance en premier. Rappelle-toi, bébé. Les pauvres ne gagnent jamais. Mais Christy s'en sort plutôt pas mal. Elle s'entraîne depuis longtemps. Je te mets un A, Christy. À ton tour, Annie. Prends-en de la graine. Vas-y. C'est ridicule. Je peux aller plus haut qu'elle. Mais c'est un fiasco. L'échec total. Ça va pas du tout. Tu me déçois. Va falloir réviser. Lis ça de la première à la dernière page. Et retiens la leçon. Il y a une légende concernant ce livre. Celle qui le lit devient la reine du grand écart. Très bien, je vais lire. Oh non! La pauvre Christy l'a devancée ici aussi. C'est rien de ouf, Annie. J'ai juste trouvé quelques trucs amusants à ajouter dans le livre. L'argent, ça se gagne. Vendre des hot dogs, c'est une bonne idée de business. Et les affaires de Christy marchent du tonnerre. Faites la queue! Poussez pas! D'abord vous payez, ensuite je vous donne votre hot dog. Tout le monde à l'école adore les hot dogs de Christy. Cool, sa caisse se remplit de plus en plus. Christy est vraiment agaçante. Elle en a pas marre d'être parfaite? Annie a un autre plan. Elle devrait juste rendre Christy riche. Comme ça, elle arrêtera enfin d'être aussi gentille. Être riche, ça gâchera tout. L'opération secrète peut commencer. Oh, j'ai super faim. Donne-moi tous tes hot dogs. Et garde la monnaie. Waouh! C'est le client le plus généreux que j'ai jamais eu. C'est une fortune! C'est pour toi, bon app. Tout se passe comme prévu. Maintenant, Christy sera riche et maléfique. Qu'est-ce qui se passe ici? Des hot dogs? C'est pas bon pour toi. Je les mange pas, ces calories, coach. C'est de l'argent pour le refuge des animaux. Vendre des hot dogs, c'est super rentable. Je peux sauver plein d'animaux sans-abri comme ça. Waouh, c'est vraiment généreux de ta part. Tiens, ma contribution. L'entraînement de Pom-Pom Girl, ça peut être dangereux. Et si tu te blessais? Justin est trop sympa. Il a aidé Christy à aller jusque dans les vestiaires. Merci, Justin. Je vais me débrouiller maintenant, t'inquiète. Mais Christy va pas être seule ce soir. Justin, selfie, ok? Christy, je peux avoir un autographe? Et je vais écrire un mot sur ton plâtre, tu veux bien? Tout le monde adore Christy! Mais Annie va pas se laisser faire. Maintenant, elle aussi va avoir un gros plâtre. Et tous les fans de Christy l'oublieront comme ça. Vous imaginez même pas ce qui s'est passé. Je faisais une pirouette super compliquée. Et ma jambe n'a pas supporté le coup.
Je souffre. Annie, on te soutient tous. Souris. C'est enfin arrivé. Annie attire l'attention de tout le monde. Christy est sur la touche. Tiens, ça, je dois poser. Les béquilles dorées, c'est trop la classe. Mais il y a un truc qui cloche, là. T'es sûre que ta jambe est cassée? Hé, mais tu te fiches de nous? T'es pas blessée du tout? Menteuse! La popularité, c'est vraiment imprévisible. Hé, vous allez où? Mais ses fans ne la croient plus, maintenant. Tout se passe bien dans la vie privée d'Annie. Adam est parfait. Et maintenant, ils vont passer un rendez-vous romantique ensemble. Je reviens dans une seconde. Je dois aller me changer. Jolie cette chambre dorée. C'est vraiment le style d'Annie. Et voilà sa coloc. Hey. Salut Adam. Prends des cookies si tu veux. Oh, avec plaisir. Le véritable amour, ça nous tombe dessus quand on s'y attend le moins. Personne ne peut effacer ce coup de foudre. Pas même Annie. T'es allée trop loin, Christy. Je me vengerai. Le coach Martin est un vrai pro. Il va nous montrer une pirouette de dingue. Vous avez vu? C'est facile. Prête? C'est un peu flippant. Mais si le coach le veut, Christy le fera. Et Annie, prends-en de la graine. Ouais, coach, allez-y. À vos marques, prêts, partez! Attrape-moi, Christy! J'ai réussi! Excellente synchro! Christy sait vraiment tout faire. Beau travail, Christy. Maintenant à ton tour, Annie. Ça va être chaud. J'arrive, Annie. Pourquoi il m'implique là-dedans? Je veux pas le rattraper, moi. Tu vas bien? Ça fait mal? C'était la pire synchro du monde. Tu vas avoir de gros ennuis, Annie. Allez, combien de temps elle va durer, cette punition? Les squats, c'est trop embêtant. On va plus prendre de risques. Si tu veux que tout le monde te kiffe, il faut que tu sois Christy. Fais de beaux rêves. T'iras nulle part aujourd'hui. Moi, je vais prendre tes vêtements. Et quelques minutes plus tard, la pom-pom girl riche s'est transformée en la pom-pom girl fauchée. Tout est permis en amour comme en popularité. Elle doit juste cacher sa tête. C'est moi, les amis. Donc, ça fait ça d'être populaire? C'est tellement incroyable. Vous voulez des selfies avec moi? Oups! On s'est trompé? C'est pas du tout Christy. On s'en fiche de cet imposteur. On annule la séance de selfies et d'autographes. Ne partez pas! J'ai fait tellement d'efforts! Cette tenue de pauvre m'a pas beaucoup aidée. Le moment de vérité est arrivé. Vous êtes prête pour la peser? Ouais, coach! Bien sûr, facile à dire pour elle. Christy n'a jamais un gramme en trop. Annie, de son côté, n'a pas trop surveillé sa ligne. Monte sur la balance, Christy. C'est un bon chiffre. Christy est en forme. Monte sur la balance, Annie. Oh là là, j'ai peur. Mais peut-être que la balance se trompe, non? Oups! On dirait qu'elle a échoué l'épreuve de la balance. Il va se passer quoi maintenant? Détends-toi! Ah, enfin elle peut se relâcher. Mais elle aurait pas dû. Elle va devoir suivre un régime strict. Et faire beaucoup d'exercices. On va commencer par tes squats préférés. Go! Le plan d'aujourd'hui, c'est d'apprendre de nouveaux mouvements. Mais ils sont assez compliqués. Répétez après moi. C'est facile. De ce côté, puis de l'autre. De ce côté et de l'autre. C'est clair? Alors allez-y. Ces élèves ne comprennent rien. Stop! Vous avez échoué. Je vais devoir trouver autre chose. Prenez ces chiffons, les filles. Tu te moques de moi, là? Est-ce qu'on va faire le ménage? Bien sûr! C'est vachement plus simple d'apprendre de nouveaux mouvements comme ça. Allez, allez! De ce côté et de l'autre. Trop cool cette séance d'entraînement. Christy a fini par comprendre le geste. Merci coach. Il est tellement créatif. Mais pour Annie, la technique du ménage n'a pas marché. Les pom-pom girls riches n'ont pas l'habitude de nettoyer. Oh, désolée, j'ai pas fait exprès. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans mon bureau, tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Coach, je peux entrer? Comment je vais m'expliquer? Peut-être que le coach lui pardonnera. C'est quoi le problème? Elle a juste pas compris un mouvement. Je vais m'entraîner aussi dur que possible, je vous le jure. Non! Rends-moi tes pompons. Pas les pompons dorés! C'est trop cruel. T'es virée de l'équipe. Le pire cauchemar d'Annie s'est réalisé. Maintenant, elle est même plus pom-pom girl. Elle montera plus jamais sur scène. Et même l'argent ne résoudra pas ses problèmes. Comment il a pu faire ça à Annie? Que quelqu'un aille me chercher de l'eau, je me sens pas bien. Christy, t'as entendu ça? Il a pris mes pompons! Ça va aller, on va trouver une solution. On a juste besoin d'un plan.
Comment elle peut aider Annie? J'ai une idée. On va s'entraîner. Mais d'abord, on va te faire de nouveaux pompons. Le papier, ça marche à tous les coups. Ça fera des pompons en papier super stylés. Merci, Christy. Si on travaille ensemble, on peut tout faire. Les nouveaux pompons sont prêts. Ils sont trop canons. Mais mieux que ceux en or. Et maintenant, on va passer au plus dur. L'entraînement. Tu peux le faire. Vas-y. Et pour le grand écart, si tu t'entraînes dur, tu arriveras forcément à un résultat. Et finalement, le nouveau mouvement n'est pas compliqué du tout. Faut juste bien se concentrer. Ouais! Le coach va regretter sa décision. C'est le grand moment. Les fiertés de l'école sont sur scène. Les pom-pom girls. Annie et Christy. Et elles se disputent plus. Elles bossent en équipe. Et leur entraînement a porté ses fruits. Vous avez vu ça? C'est moi qui les ai formées, c'est grâce à moi! Christy et Annie s'entraînent depuis très longtemps. Et pour une bonne raison. C'était une choré incroyable. Elle mérite une note parfaite. Les juges sont d'accord. Et il est temps pour Annie de récupérer ses pompons en or. Ils n'ont plus besoin de prendre la poussière dans le placard. Mais Annie est habituée à ses pompons en papier maintenant. Christy, par contre, mérite ce trésor. Elles sont plus fortes ensemble.